Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler, le fondateur de Photoloco. Vous êtes super nombreux à nous avoir rejoints depuis le salon de la photo, alors je voulais en profiter pour vous faire le tour du propriétaire. Suivez-moi sur Photoloco. La toute première chose, ce sont les articles. Il y a une centaine de tutos vidéo qui sont disponibles sur Photoloco dès maintenant. Donc vous allez tout simplement ici sur l'index. Alors l'index, je ne l'ai pas mis à jour depuis très longtemps. Vous pouvez aussi découvrir ces articles via des parcours thématiques. Par exemple, vous êtes un débutant ou vous voulez travailler spécifiquement autour du studio de rue strobiste. Il y a des très bons parcours thématiques avec même quelques exercices. Et puis, vous avez les techniques photo. Ça, ce sont des techniques partagées par les locaux. Il y a plus de 400 différentes techniques photo qui vous permettent de découvrir la magie derrière les photos des locaux. Encore une fois, c'est la générosité du partage des locaux et vous allez pouvoir en profiter. Mais ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de venir laisser une photo. Ça, c'est l'essentiel pour progresser, c'est partager ce que vous faites, quel que soit votre niveau. Photoloco, c'est un grand club photo. Donc, vous allez mettre une photo et vous allez recevoir des commentaires d'autres locos. En moyenne, il y a une dizaine de commentaires par photo. Donc, ce sont des commentaires qui visent à soit dire comme vous êtes un super photographe ou alors de façon très constructive, à vous expliquer comment progresser et prendre de meilleures photos. Et ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure façon de progresser, c'est cette aide personnelle, cette assistance personnelle, ce support. On est galvanisé par tous ces commentaires. Et qui sait, peut-être que vous gagnerez la photo du jour, photo de la semaine, photo du mois, où il y a les meilleures photographies qui sont distingués et qui sont appréciés là-dessus. Mais Photoloco, c'est pas juste recevoir. Profitez-en vous aussi pour laisser des commentaires sur les photos que vous aimez. Sur celles que vous aimez moins, expliquez pourquoi vous les aimez pas ou comment vous pensez qu'on peut les améliorer. Profitez-en pour regarder mon petit article sur comment critiquer de façon constructive une photo. Laissez des j'aime sur les photos que vous aimez. Découvrez les mentions. Les mentions, c'est aussi une innovation de Photoloco. Vous aimez une photo particulièrement parce qu'elle a une pose intéressante, elle est très originale, parce que les couleurs sont intéressantes, parce que la post-production est particulièrement bien faite. Eh bien, vous laissez les mentions et vous pourrez ensuite rechercher vos photos, les photos préférées en fonction de ces mentions. Troisièmement, participez aux défis. Chaque semaine, je mets un nouveau défi en ligne qui va vous inciter à sortir, prendre des photos. C'est vraiment très très bien, ça va vous faire évoluer en tant que photographe si vous participez régulièrement à ces défis photo. Quatrièmement, vous pouvez vous mettre à suivre des locos. Alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, comme dans un vrai club photo, il y aura des gens avec lesquels vous allez avoir des grandes affinités, soit par le talent de leur photographie, soit par la pertinence de leurs commentaires. Eh bien, vous cliquez juste sur le bouton « Suivre » et là, vous allez pouvoir voir tous les commentaires qu'ils ont laissés, les photos qu'ils ont postées, les prix qu'ils ont gagnés. Donc c'est vraiment une sorte de Facebook de la photo où on va pouvoir suivre et être suivi. D'ailleurs, ça, c'est une de mes grandes joies, c'est quand je vois qu'il y a des tribus qui se retrouvent. Il y a une grande équipe, par exemple, à Orléans, qui se retrouvent pour faire des sorties en vrai et des gens qui sont devenus de vrais amis grâce à Photoloco. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Cinquièmement, c'est toute la section matériel photo. C'est très intéressant parce qu'on voit, par exemple, pour chaque objectif photo, toutes les photos sur Photoloco qui ont été prises avec cet objectif photo. Donc, si vous êtes un peu dans un mode d'achat, bien, vous pouvez aller regarder un objectif photo et vous rendre compte de ce que les autres locaux ont réussi à faire avec cet objectif photo. Mais je vous invite aussi, comme vous avez sans doute déjà pas mal d'objectifs photo, eh bien d'aller là-dessus puis de laisser un avis objectif sur ce matériel photo afin d'en faire profiter les autres locaux. Sixièmement, il y a Photo Duello. Photo Duello, c'est un nouveau type de concours photo où les photos les plus vues, les plus récompensées, les plus primées sur Photoloco vont être affichées. Deux par deux, et c'est à vous de décider si vous préférez celle de droite ou celle de gauche. Vous cliquez à droite, vous cliquez à gauche, et il y a une nouvelle paire qui arrive. Vous jouez à Photo Duello 30 secondes ou 30 minutes, vous allez avoir des superbes photos qui vont défiler, et vos votes vont contribuer à classer ces photos selon un rang, développé par une théorie des jeux dont j'ai l'exclusivité. Non, en réalité, j'ai repris exactement celle de l'ATP et puis des échecs. Allez, je ne vous parle pas du forum, de la messagerie privée, de la messagerie instantanée. Tout ça, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Par contre, je veux absolument vous parler de l'ambiance.
L'ambiance sur Photoloco, c'est quelque chose d'essentiel. On vient sur Photoloco pour se faire plaisir. C'est le maître mot, le plaisir. On vient évidemment pour partager ses photos, pour apprendre la photo, mais on vient pour se faire plaisir. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir dans l'équipe un modérateur fabuleux qui veille à ce que ce plaisir reste là. Donc je vais vous laisser entre les bonnes mains de Jep Essen, le modérateur de Photoloco. Bonjour à toutes et à tous. Photographe débutant ou confirmé, vous êtes bienvenue sur photoloco.fr. Alors moi je suis Jep Essen, le shérif du site. Mon rôle principal est de m'assurer de la bonne application des trois piliers de notre communauté, c'est-à-dire le partage, dans le respect et la bonne humeur. Alors je vous propose également des articles et des formations, essentiellement sur le développement. Alors vous verrez, moi j'utilise Lightroom, mais toutes mes démonstrations, tous les outils que je vous montre, sont facilement transposables à n'importe quelle application de traitement de l'image. En attendant de voir vos premières photos, je vous souhaite une bonne navigation sur photoloco.fr. Et puis je vous dis à bientôt. Salut Lecos. Voilà, vous êtes chez vous sur Photoloco. Ah, maintenant, je veux terminer cette petite présentation de Photoloco avec, et en toute exclusivité, le jingle officiel de Photoloco. Je suis Blaise Fiedler et amusez-vous bien sur Photoloco. À bientôt. I love the photo. I love the photo. You love the photo. Love everybody loves the photo. So just do the photo logo. Come on and join us. Learn the photo from a pro though. Our community is awesome. We want you to come and show us how you photo logo. I love the photo. You love the photo. Everybody loves the photo. So just do the photo logo. Come on and join us. Learn the photo from a pro though. Our community is awesome. We want you to come and show us how you photo logo. Et par contre, learn the photo from a pro, our community is awesome. Et après, je comprends plus ce qu'il dit.